J'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem, tiskou les shanim rabot, neimot, vetovot, de Bezrat Hashem, toutes les années à venir soient les meilleures pour tout le monde, Bezrat Hashem. Vous savez, ces jours-là, surtout entre Yom Kippour et Sukkot, c'est des jours comme Chol HaMoed. Mamash, c'est des jours très, très, très saints, très kadosh. Il faut que Bezrat Hashem, on prenne quelque chose avec nous, qu'on ne se perde pas dans les choses que, vous savez, les tzara, ils essayent toujours nous endormir. Il y a une histoire, Chachamim, il raconte, il y avait un homme que la parnassa était tellement difficile, il a voyagé très très loin pour amener de l'argent. Il fallait qu'il prenne le bateau et il est arrivé dans un île, il a travaillé quelques années là-bas. Quand il a préparé tout son argent et tout son sac pour retourner chez lui après quelques années, il a vu que tous les habitants achetaient des pommes de terre. Il a dit, pourquoi tous vous achetez comme ça des pommes de terre et c'est quoi les ignanes? Il a dit, quoi, tu sais pas? Ça, c'est les choses les plus demandées qu'il peut avoir. C'est l'argent, il a aucune valeur, c'est ch'touyot. Et chacun qu'il parle avec lui, il voit tous acheter des pommes de terre, il la ramène dans le bateau, il achète des pommes de terre. Chacun devait voyager dans son endroit. Lui, il a décidé qu'il ne faut pas qu'il soit passage. Il est parti, il a décidé d'investir aussi lui, sur toute cette pomme de terre qui était très spéciale, dure et comme ça, avec une couleur très spéciale. Après qu'il a acheté tous les sacs de pommes de terre, il a mis dans le bateau, il était content, il est assis comme ça à côté de les sables dans la plage. Il joue avec plein de pierres qu'il était à la plage. Et à la fin, il prend quelques-unes, il monte dans le bateau. Le voyage avance, le bateau arrête, les gens y descendent. Encore un voyage, les gens y descendent, les gens ils voyagent, les gens y descendent des bateaux avec les sacs, il reste que lui avec toute sa marchandise. Il était le plus loin de toute cette île. Après quelques semaines de voyage, il arrive chez lui tout content. Mais l'odeur dans le bateau, c'était insupportable. Les gens ils lui disent, écoute, on ne peut plus supporter cette odeur. Je ne sais pas comment ta marchandise, mais c'est trop longtemps, elle commence à pourrir. Elle pourrit. Et il voit que finalement, il est obligé de la jeter. Les hâtes, il disparut des sacs, il était obligé de le jeter. Jusqu'il arrive au port, il n'a pas aucun centime sur lui. Il n'a pas rien. Et il pleure. Il a dit, comment j'ai fait une bêtise pareille? Comment j'ai pas pensé qu'avec cette longue trajet, cette marchandise va pourrir et toute mon année que j'ai travaillé, tous mes investissements, c'était dans des choses qui ne tiennent pas la route. Comment, quel visage j'aurais de rentrer chez moi maintenant? Comment je vais faire? Presque il s'est évanoui de peine. Il était devenu blond, il ne savait même pas comment il rentre chez lui. Il fait des pas, il retourne, il va à côté de chez lui, il retourne. Bassof, il s'est évanoui. Les gens, ils l'amenaient. Ils ont crié dans la rue. Bassof, ses enfants, ils ont reconnu. Sa femme, elle lui dit, c'est pas grave. Aïkar qui était revenu. Qu'est-ce qui s'est... Il commence à lui raconter, il s'évanouit. Les pauvres, ils rentrent chez lui. Il s'allonge. Sa femme veut, comme ça, qu'il soit allégé. Il trouve dans sa poche quelques pierres. Il lui dit, non, donc ça, c'est pour les enfants qu'ils jouent. Tous les gens du quartier étaient tellement contents de le voir qu'ils sont tous venus le voir, le saluer, apprendre des nouvelles de lui parce que c'était de quelqu'un, un homme très très bien. Parmi tous les gens, il y avait un bijoutier qu'il connaît, il avait une grande connaissance dans les pierres brutes. Et il voit que les enfants y jouent. En fait, c'est pas des pierres, c'est des diamants, mais ils sont bruts donc tu peux pas le connaître. Il lui dit, c'est quoi toute cette pierre, d'où il vient? Il lui dit, ah, j'ai trouvé 5-6 comme ça. C'est pas que j'ai trouvé, il y avait des tonnes, mais j'ai pris un petit peu pour les enfants.
Le bijoutier, il regarde comme ça, il lui dit, mais t'es fou, mais t'es pas normal. Tu sais ce que c'est, les valeurs de chaque pierre, tu peux vivre presque un an. Et il commence à rigoler, mais il commence à pleurer. Il commence à rigoler, être bégeois, et il commence à pleurer. Parce qu'il dit, oh, va voy, ça, c'était gratuit. Et moi, j'ai investi tout mon argent sur les pommes de terre qu'il n'y a rien. À place de prendre, remplir des sacs et des sacs et des sacs. Et il commence à pleurer, mais il ne sait pas s'il pleure, il rigole. Chachamim, il nous dit, c'est exactement cet monde et le monde à venir. Cet monde, l'homme, regardez, la majorité des gens croient qu'ils sont éternels. Encore des. Acheter encore des choses, posséder encore que j'aurai un peu plus de l'argent, encore ici. Investir encore un appartement, encore un petit bateau, encore placer encore de l'argent, et je travaille plus, et ma femme elle travaille, et on ne voit pas les enfants, et on devient cruel, on devient radin, on devient compliqué, on court, et on court, et on court. Vous savez, une fois on a demandé à quelqu'un, et pourquoi tu manges vite comme ça? Il lui dit, parce que je dois travailler. Alors on lui dit, pourquoi tu travailles dur comme ça? Il dit, parce qu'il faut que je mange. Donc en fin de compte, tu manges pour travailler et tu travailles pour manger. Chachamim, il dit, si l'homme il était sage, cet monde-là, c'est où que tu peux ramasser toutes les pierres précieuses. C'est là qu'il y a toutes les pierres précieuses. Quand tu respectes tes parents, quand tu respectes ton prochain, quand tu fais l'avodat Hashem, quand tu arraches des mitzvot, quand tu cours être les premières à être entre 10 personnes dans la synagogue, à un cours de Torah. Vous savez, il y a une Mishnah qui dit, Kol ha-mevatel et ha-Torah me'oni, sofa le-kayma me'osher. Et Kol ha-mevatla me'osher, sofa le-kayma me'oni. Il y a beaucoup de gens qui font la Torah et les mitzvot. Tu les vois, ils vont dans un cours de Torah sur les ventes vides. Mais bassof, ils vont la réaliser avec beaucoup de richesse. De où on voit ça? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il n'avait même pas d'argent, même pas de paille pour son fils quand il est né. Mais il n'a pas quitté ce monde avant qu'il ait mangé sur une table en or. Mais il y a d'autres personnes que tu leur dis, viens dans un cours, fais ci, fais ça. Et tu dis, non, 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 rendez-vous, non, 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 Bgisha avec la banque, avec Paul, Pierre. Chachamim dit, ah, t'as pas le temps parce que t'es riche, t'inquiète pas, on va te trouver le temps quand tu seras plus riche. Donc malheureusement, quand ils ont plus d'argent, il reste qu'une chose, aller écouter un cours, peut-être ça va le remonter un peu. C'est pas bien. Il faut comprendre que cet monde-là, là, où on vit aujourd'hui, tu as des pierres précieuses qui sont à côté de toi, simplement, ils sont bruts, tu comprends pas. Les mitzvot, tu fais aujourd'hui, tu sais maintenant ce que tu as fait. T'as amené une joie à une veuve, ou t'as aidé une famille, ou t'as aidé un orphelin, ou t'as payé l'école à quelqu'un qu'il ne peut pas payer, ou t'as aidé Paul Pierre, il manque de mitzvot. Tu vois pas tout de suite les récompenses. Mais tu prépares ton monde à venir, tu prends des pierres précieuses avec toi, ça bouge pas. Mais tout l'investissement, encore une maison, encore une binyanim, qu'est-ce qu'un homme il prend avec lui? Il prend avec lui rien du tout. Tout ce qu'il prend avec lui, c'est les mitzvot. Les mitzvot et les maasim tovim. Donc, faut pas qu'on soit comme cette monsieur-là, qu'il est parti des années pour travailler, il a investi sur les pommes de terre qui sont pourries. Il y a des gens qui passent tout leur temps dans ce monde, il arrive à 80 ans, 90 ans, tu le vois, il fixe des heures sur les murs parce qu'il comprit comme ils ont perdu leur temps dans les Hev et la Valim de cette monde. Et encore, ok, tu avais de l'argent. Et tu as des buildings et tout. Qu'est-ce que tu prends avec toi? Connaissez cette histoire avec, comment il s'appelle, un monsieur qui a écrit 2 lettres à son fils. Il dit, écoute, mon fils, une lettre, tu ouvres avant mon enterrement, une après. Avant l'enterrement, il a écrit, mon fils, enterre-moi avec les chaussettes. S'il te plaît, avec tout l'argent que j'ai, voilà ce que je te demande, et tu vas hériter tout ce que j'ai. Le fils, il a fait tout ce qu'il peut, aucune autorisation. Après l'enterrement, il ouvre les deuxièmes lettres. Son père, il écrit, tu vois, mon fils, avec tout ce que je possède, je n'ai pas pris avec moi même pas de chaussettes. Voilà ce qu'il faut comprendre dans ce monde. Tout ce monde, c'est les pommes de terre. C'est un investissement sur les choses, comme des glaçons, ils font. Mais les mitzvot, c'est des diamants. Ça, c'est à toi. Ça, c'est à vie. Personne ne peut te l'apprendre.
Shana Tova, hein, et qu'on ne passe pas ce temps-là, des Yom Kippour, des Sukkot, de tous ces jours-là, il faut qu'on remplisse des mitzvot. Qu'on ne va pas passer ce temps, on rentre après dans la routine. Qu'est-ce qu'on a pris avec nous? Il faut que ça nous marque, les Kippour, Sukkot, tous ces jours de Rosh Hashanah, il faut que ça nous laisse une trace, que toute l'année on pense à être nourri de ces jours-là, Bezrat Hashem.
Alors, le Baal Shem Tov, il lui a dit, on revient, mais on a été enrichi, qu'on n'en ait pas besoin, mais celui qui en a besoin, que Dieu le guérisse. Pour toutes les guérisons morales, spirituelles, mentales, spirituelles, physiques. Et que Dieu donne à chacun une bonne et douce année, que tu vas avec Hatima Tova. Que ces mois des loulous, on les utilise comme ça se doit, Dieu. Que tu ne sors pas pour rien de ton palais. Tout le monde vient à ta rencontre et te demander des brachot. Et des yeshuot et des mehamot. Donc il lui a dit le Baal Shem Tov. Alors lui il lui a dit, elle m'a dit, vends tout, achète des chèvres, et c'est ce que je suis en train de faire. Et hier, pourquoi je vous ai dit, vous n'êtes pas venu pour un verre de lait? Parce qu'hier elle m'est venue en rêve. Et elle m'a dit, un homme fera semblant de vouloir un verre de lait, mais en fait c'est un homme très important. Pour qui il veut apprendre de toi comment tu sers Dieu. Ah Baal Shem Tov, il lui a dit, je vais t'apprendre la chassidoute, je vais t'apprendre la Torah, comme ça tu ne seras pas un simplet. À part ton niveau simple que Dieu adore, parce que Baal Shem Tov adorait les gens simples. On dit qu'il étudie avec eux spécialement, eux. Et que tous les amis des Rahamim étaient jeunes dans la chambre à côté, ils disaient qu'est-ce qu'il y a de tout ça, il y a des machines, il va venir danser avec les ensembles les premiers. C'est merveilleux. C'est surtout dans leur mot de Téhilim, mais surtout leur simplicité, tu adores. C'est comme un peu les enfants qui ont la laine qui n'a jamais fauté. C'est l'innocence. C'est l'innocence. C'est comme la laine des enfants que pour eux, Dieu déchire les décrets. Aman a entendu les prières des enfants qui ont répondu au Mardechai quand il leur a dit. Qu'avez-vous appris? Ils ont dit Atira, Otso, Etsav et Adirna. Dieu a dit, n'aie pas peur de tout ce qui veut te faire du mal. Ils peuvent comploter, même si le mal avance, mais Adirna, même si le mal, il est là. N'aie pas peur. Quand les enfants ont dit ça, Mandéra dit, on est sauvé. Il a dit, Aman, comment tu es sauvé? Il dit, parce que c'est les enfants. Les enfants, pour eux, Dieu déchire un mauvais décret. Leur haleine, elle est pure, elle n'a jamais fauté. Eh bien, les gens simples, c'est, je ferai moi-même un parallèle, je n'ai pas entendu. C'est leur simplicité. Et Baal Shem Tov l'aimait beaucoup. Donc Baal Shem Tov a enseigné à Herschel, la chèvre, entre guillemets. Il lui a enseigné beaucoup de Torah. Il est niftar à un âge très avancé. Il s'écrit dans l'histoire, le ciel attendait avec impatience pour prendre un échama pur, qui faisait des bonnes actions, et qui après étudia Torah avec Baal Shem Tov. Et tout est venu de la colonne de lumière qui l'accompagnait partout.